Nous recevons aujourd'hui Majid Oukacha, l'interview frontale, c'est parti. Mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Frontière, la matinale. Vous êtes un matamore, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Non, je ne me calmerai pas. Ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie, il vous en cuirait. L'interview frontale. Bonjour Majid Oukacha. Vous êtes... Merci à vous. Vous êtes écrivain, vidéaste et vous êtes notamment fait connaître comme l'un des premiers apostats à témoigner à visage découvert. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous. On entre tout de suite, Jules, dans le vif du sujet. Notre rédacteur en chef, Jules Laurent, qui est présent aujourd'hui, révélait la semaine dernière dans notre matinale une affaire horrible. Un OQTF marocain a violé une Française en septembre dernier. Gilles Verdez, chroniqueur dans Touche pas à mon poste, on écoute tout de suite. Un petit village de la Somme et une jeune femme, son prénom c'est Romain, est victime d'une agression à son domicile par un OQTF. Elle se réveille brusquement pendant la nuit, elle allume et elle se trouve face à un homme. On apprendra plus tard que cet homme, c'est un Marocain visé par une OQTF depuis octobre 2022. Il va la violer d'une manière extrêmement sauvage, il va la saisir par les cheveux pour lui imposer tout ce qu'il veut qu'elle lui fasse. Notamment des fellations et des choses horribles. Majid Oukacha, j'aimerais vous faire réagir à cette enquête. C'est vrai qu'on vous entend souvent sur l'islamisme, sur la thématique des apostats, mais vous parlez aussi de laxisme judiciaire, d'insécurité en France. On en a pris contact, je vous ai justement envoyé cette enquête. Qu'est-ce que ça vous évoque, justement, ce laxisme en France, la liberté qu'ont aujourd'hui les OQTF, c'est-à-dire d'aller et de revenir en France, comme ça a été le cas montré dans cette enquête? Bah, par exemple, pour le cas de ce crime précisément, au-delà de la violence de ce crime, ce qui est énervant, c'est que par définition, l'actualité criminelle des clandestins OQTF en France, ce sont des crimes évitables, puisque par définition, les clandestins n'ont rien à faire sur notre territoire, ils devraient être expulsés manu militari. Et pour le cas, par exemple, de ce violeur dans la Somme, effectivement, depuis 2022, il avait reçu une OQTF, lui, comme 134 000 autres la même année, ce qui donne une idée de l'ampleur du phénomène. Et c'est vrai qu'il a eu tout le loisir durant ces 2 ans d'agir le moment venu et de violer, hélas, cette femme. Et dans la nouvelle langue orwellienne de notre pays, c'est vrai que beaucoup de gens entendent tellement cet acronyme OQTF, on a tendance à oublier ce que ça veut dire. En fait, c'est l'État qui donne un bout de papier à des clandestins et qui leur dit « on vous demande de vous auto-expulser ». C'est-à-dire des gens qui ont fait précisément des démarches pour ne pas partir, on leur dit « veuillez partir s'il vous plaît ». Après, qu'on ne se plaigne pas si à l'arrivée, ils ne s'en vont pas. Donc, quand on fait un bilan, on se dit finalement… En France, c'est vrai que dans notre France très procéduriariste, il y a des lois françaises et européennes qui retardent au maximum, voire empêchent l'expulsion automatique des clandestins. Même quand éventuellement ils se font notifier une expulsion, il y a de multiples recours qui prolongent leur séjour. Et même quand, au bout du bout, on peut les expulser manu militari, si je puis dire, il faut encore compter sur un laissez-passer consulaire du pays de destination qui ne le donnera pas toujours. Et voilà, pour moi, c'est pas de la xénophobie simplement que de dire que dans notre France actuelle, on n'a pas à s'encombrer de criminels supplémentaires. Une France où il y a, je crois, cette année, 125% de taux d'occupation dans les prisons, 24% d'étrangers dans nos prisons. On ne peut pas matériellement garder ces criminels. Après, pour ce qui est du sujet de le laxisme de la justice, je pourrais être un invité parmi tant d'autres qui va vous dire « la justice est laxiste en France ». Vous en aurez plein après qui vous diront ça. Mais moi, je me dis « est-ce que la justice est laxiste ou est-ce que la justice, elle ne fait pas finalement qu'obéir aux règles du jeu légal de nos politiciens élus par les Français démocratiquement ?» Parce que quand on y réfléchit... Les Français qui sont laxistes, alors. Bah, en fait, on prend par exemple les 5 ou 6 dernières grandes élections nationales en France, donc européennes, législatives, présidentielles. Systématiquement, je dis bien systématiquement, au premier tour de ces dernières grandes élections, 5 ou 6, premier tour où il y a tout le spectre politique représenté, en tout cas le plus possible, de l'extrême gauche à l'extrême droite, systématiquement, les Français, majoritairement, à même 60-65% potentiellement les 2/3, ont choisi des partis politiques essentiellement de gauche ou centre et un petit peu aussi de droite, qui ne proposait rien comme aggravation de la sévérité pénale envers les criminels. Soit ils proposaient des slogans du genre « nous allons réinstaurer la confiance entre les citoyens et la justice ». Ça veut rien dire, c'est juste un slogan, tu peux tout mettre et rien mettre derrière. Soit, derrière, ils proposent quoi? Des mesures techniques du genre « on augmente des budgets de la justice ». C'est très bien, augmenter les budgets, il n'y a pas de souci. Mais même si demain en France, on met deux fois plus de policiers, deux fois plus de juges, et que du coup, théoriquement, on peut interpeller deux fois plus de criminels, les envoyer deux fois plus devant des juges, de toute façon, au bout du
bout de ce processus, tous les juges en France qui ont un marteau, ils ont la loi que je trouve, moi, laxiste en France, et qu'on voit très bien, pour juger, on voit très bien dans l'actualité. Moi, je trouve ça dingue, vraiment, par rapport au reste du monde. On lit qu'il y a des criminels qui ont 10, 15 multirécidivistes de la violence, 20 condamnations, ils continuent d'avoir une énième chance de repasser devant un juge. On lit dans l'actualité des violeurs, même d'enfants, des gens qui poignardent des gens, qui prennent 1, 2 ou 3 ans de prison, et encore, sur 100% de gens qui ont une peine de prison effective en France, en réalité, 35 à 40% ne l'effectuent pas du fait de remise de peine, etc. Donc, simplement pour conclure, je dirais, moi, j'ai acté, ça va peut-être surprendre, parce que je pourrais très bien faire ce discours facile de dire la justice est laxiste. Moi, j'ai acté que j'ai un point de vue minoritaire dans la démocratie française, je veux une aggravation des peines, mais que la majorité des électeurs français s'acharnent à voter pour des partis pour qui la sécurité est un sujet secondaire, pour ne pas dire insignifiant. Donc, je dirais juste à cette majorité de Français, soyez cohérents quand des sondeurs vous appellent, arrêtez d'être à 80%, comme j'ai vu dans un sondage CSA en 2022, à répondre que la justice est laxiste, et après, derrière, aux élections, vous êtes pratiquement deux tiers à voter pour des partis pour qui le programme en guise de dureté envers la criminalité, c'est une feuille de papier toilette, recto verso, vide. Donc, posez-vous des questions. Est-ce qu'il n'y a pas juste une application des peines, les Français? C'est-à-dire que nous, on a fait un sondage, justement, sur Frontières, il y a deux jours, on l'a regardé aujourd'hui, et il y a 70% des Français qui disent que c'est les juges qui sont responsables plutôt que justement les Français. Et est-ce que les Français ils se sentent pas juste dépossédés justement de cette fonction de jugement, c'est-à-dire qu'ils estiment que les juges aujourd'hui ont pris à partie tous les Français et décident à leur place? C'est les règles du jeu légal qui doivent changer. Déjà, la majorité des Français votent pour des partis, comme je vous ai dit, qui proposent rien comme aggravation pénale. Deuxièmement, faut changer les règles du jeu en France. Je vous donne même un exemple. Moi, c'est pas ma spécialité à la justice, mais je lis juste ce qu'il y a. Par exemple, les juges ils jugent aujourd'hui avec des peines qui commence par la formule jusqu'à, par exemple, jusqu'à 3 ans de prison pour tel type de crime. Eh bien, si un juge à l'arrivée, il met que 6 mois de prison, donc 6 mois avec sursis, 6 mois aménageable, le gars mettra jamais un pied, le juge reste dans les clous de la loi, puisque jusqu'à 3 ans de prison, c'est potentiellement un stage de 2 semaines à caresser des hamsters au bord de la mer. Donc, je suis désolé, il faut enlever ce jusqu'à, il faut que les peines soient plus binaires, il faut que les peines soient plus sévères, c'est anormal encore une fois. Moi, je trouve anormal que dans notre pays, tout le monde se soit habitué, surtout en comparaison des autres pays dans le monde où les criminels sont le pénible plus sévèrement et où il y a une corrélation, c'est bizarre pour ne pas dire une causalité, avec le fait que les gens se tiennent à carreau, qu'ils n'aient pas des racailles comme nous on en a. Le laxisme en France, je suis désolé. La volonté de réinsertion, c'est ça que en fait, vous dénoncez. C'est-à-dire que souvent ce que disent les Français, c'est qu'on pense d'abord à la réinsertion plutôt qu'à la protection d'une société à travers la mise à l'écart d'un individu. Même, je vais vous dire, même les criminels en tant que tels, ça se ressent de... Oui, il faut en France, il y a plein de problématiques complètement reliées. Entre des lois complètement folles, par exemple, je sais pas, un squatteur, il faut 1 an et demi ou 2 ans des fois de procédure, de coup de tampon entre le préfet, entre le juge. Mais ça prend 2 minutes, bordel. On regarde qui a le titre de propriété avec le tampon du notaire et qui a piqué la maison en 48 heures avec la facture de la pizzeria avec le tampon sauce gorgonzola offerte. On comprend vite qui doit rester, qui doit dégager. Comment ça se fait qu'il faille autant de temps? On voit des multirécidivistes de la violence. Moi, à la place, dans un monde idéal, pour moi, quelqu'un qui est multirécidiviste 10-15 fois, il ne ressort plus jamais de prison, même au-delà de 3 fois, 4 fois maximum. Mais quand on voit qu'il y a des pays dans le monde qui sont capables de construire des dizaines de milliers de places de prison en 1 an ou 2 ans, et que nous, on arrive à peine à en construire plus de 3 000, on a aussi des problèmes de cet ordre-là. On a aussi une ambiance médiatique et politique qui tend un peu à victimiser les coupables. Je pense par exemple à des débats sur par exemple les délits de fuite, par exemple on a des débats politiques et médiatiques sur se demander est-ce qu'on doit poursuivre l'auteur d'un délit de fuite, soit qui faisait un rodéo en motocross, soit en voiture. Et en fait, les criminels en France, qui savent très bien que c'est un pays plutôt souple du point de vue juridique en termes de sévérité pénale, ils savent très bien qu'on a une police beaucoup plus prudente que la police dans le monde, où ils sortent leurs flingues pour rien, où il n'y a pas d'IGPN pour les contrôler. On a une police qui a des notes, qui a des notes de ne pas poursuivre dès lors que... De faire plein de sommations avant de sortir leur arme, même au risque de leur vie, qui peuvent risquer une vindicte médiatique avec leur nom cité si jamais ils sortent leur arme dans...
dans une situation inadaptée. Donc on a une police plus prudente. Les criminels le savent, ceux qui notamment qui font des délits de fuite. On a des peines de prison insuffisantes et les prisons en France, de ce que je vois souvent, c'est ils ont des smartphones, ils ont des jeux vidéo, ils ont une télé, ils ont des disques durs avec des milliers de films et de séries. C'est pas la même chose que des prisons ultra strictes comme au Japon où tu dors à même le sol sur un matelas un peu nul avec un petit bouquin et la cellule complètement vide. Il y a un juste milieu à trouver en termes de sévérité, mais encore une fois, c'est la responsabilité des Français avant tout de faire de ce sujet un sujet prioritaire. Exactement, il ne faut pas oublier qu'ils arrivent quand même à gérer leur business au sein des prisons. Ils peuvent continuer à, je crois que c'est Jules, on avait déjà parlé ensemble du fait qu'ils géraient leur business au sein des prisons. Non, en effet, avec Eric Tegner, le directeur de la rédaction, on était allé à la prison des Baumettes et en fait, l'un des premiers messages qu'on a reçus, c'est tout se passe bien en fait aux Baumettes. Bah oui, tout se passe bien parce que en effet, il n'y a pas de volonté justement de reprendre le contrôle sur les trafics qu'il y a à l'intérieur. On a même des détenus qui avaient pu accéder à des prostituées. Donc en effet, même ce laxisme-là continue jusque dans les prisons. Totalement. On voulait vous faire écouter un autre extrait. On va changer de thématique. Louise, je te laisse. On s'en souvient, la semaine dernière, une professeure s'est faite gifler par une élève alors qu'elle lui demandait de retirer son voile. Didier Lemaire, professeur de philosophie, dénonce l'islamisme grandissant au sein de nos écoles. On écoute tout de suite. Je ne reconnais pas l'école dans laquelle j'ai enseigné lors de mes premières années. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette offensive islamiste à partir des années 2000-2010 qui s'est renforcée. Or, l'État a abandonné ses enfants à des recruteurs. C'est ce qui s'est passé notamment à Trappes où j'ai enseigné. Oui. En 2010, les recruteurs sont arrivés. Le milieu a été peu... Des recruteurs, c'est-à-dire ? Des recruteurs salafistes, des idéologues, des fréristes, etc. Ils ont utilisé la religion comme un cheval de Troie pour détruire notre pays. Et on a une grande pensée pour toute la famille de Dominique Bernard qui a été assassinée il y a un an par un ancien élève radicalisé islamiste. Jules, je te laisse prendre. En effet, ça tombe effectivement tragiquement avec ce qui s'était passé il y a un an, assassiné par un ingouche islamiste radicalisé dont on savait, on connaissait la radicalisation. Il avait même été suivi par les services de renseignement la veille, mais dont on n'a pas pu éviter à l'époque. Est-ce que à travers cette affaire du voile de Tourcoing, il faut se montrer extrêmement ferme au risque justement de faire de l'école l'endroit le plus dangereux ou l'endroit où les islamistes prospèrent le plus? Oui, alors je vais essayer d'être précis. Je pense encore une fois qu'il faut voir les faits dans leur globalité. D'abord, la question du voile, c'est pas juste un folklore culturel ou une mode vestimentaire, mais le voile est une prescription religieuse effectivement dans l'islam. C'est un devoir, mais dans le débat public, ce n'est pas présenté comme ça par les militantes voilées qui viennent à la télé pour dire je porte le voile parce que je suis libre de porter le voile. C'est personne ne justifie comme ça. Ça veut rien dire de dire je fais quelque chose parce que je suis libre de le faire. On le fait pour une raison très précise. C'est une prescription religieuse, tant dans le Coran pour Allah que pour le prophète Mohammed dans ses hadiths. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ils tendent à un discours officiel qui dit que c'est une liberté de se voiler. Et même en voulant lutter contre le voile, on est dans une époque totalement différente du passé. Parce que c'est vrai qu'au cours du XXe siècle, la France a fait l'erreur de construire des milliers de mosquées, d'y faire venir des imams du tiers-monde qui ont officié, qui ont réislamisé les populations. Aujourd'hui, quoi que puisse enseigner l'école pour lutter, pour laïciser les populations, de toute façon, ça n'empêchera pas qu'à la sortie de l'école, ces jeunes femmes qui portent un voile, elles peuvent remettre le voile. Même si vous leur retirez le voile sur la tête en classe, vous ne leur retirez pas le voile mental. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une lutte culturelle. Et quand elles rentrent chez elles, elles ont Internet avec leurs prédicateurs qui, même si la France les expulse à distance dans les pays islamiques, ils peuvent leur faire comprendre qu'effectivement, le voile est obligatoire. Donc c'est une guerre culturelle compliquée. Même d'ailleurs, la France est dans une position complexe parce que, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez du débat sur l'abaya, c'est là qu'on se dit même... Je défends pas effectivement les gens qui portent la baïa, mais à un moment donné, c'est pas reconnu officiellement comme une tenue religieuse. Et là, les musulmans et les musulmanes, vous mettez leur point de vue, ils se disent, mais c'est complètement dingue. Même la pudeur d'un vêtement nous est confisquée. Et c'est aussi compliqué de lutter contre le voile parce qu'on vit dans une époque où, je sais pas si vous vous rendez compte, si l'État français devait vouloir interdire au maximum le port du voile, ils passeraient pour des talibans qui expliquent aux femmes musulmanes ce qu'elles doivent porter ou ne pas porter. C'est ça qui est vraiment
qui est vraiment compliqué. Et même en admettant que demain, je sais pas, dans l'espace public, on puisse limiter ou interdire le voile pour ces jeunes femmes, imaginez que toutes les jeunes femmes de France musulmanes se liguent entre guillemets et qu'elles disent, bah, on va toutes porter maintenant un bonnet en soie et une écharpe en soie qui vont recouvrir donc la chevelure et la gorge, ce qui est la fonction du voile, et même elles vont mettre volontairement une même couleur pour pas qu'on voit une discontinuité entre les deux, donc ça aura vraiment l'air d'un voile. Est-ce que la France va interdire le bonnet pour les jeunes femmes? Et dans ce cas-là, on l'interdit même pour les femmes qui, l'hiver, ont besoin de se protéger. Est-ce que... Donc c'est une course sans fin où les islamistes, ils sont très contents de passer sur les plateaux télé avec ces affaires de voile. Ils ont la position victimaire dont vous parliez tout à l'heure, dont ils ont absolument besoin. C'est ça le comble de l'ironie. Ils passent, eux, limite pour les défenseurs des libertés des femmes à porter ce qu'elles veulent ou pas. Voilà. Donc je pense que la question du voile, juste pour conclure, c'est un symptôme selon moi. Déjà, il faut dans le débat public remettre ça dans le centre de ce que c'est d'un point de vue juridique et bien défendre le fait que c'est pas une mode vestimentaire mais bien une prescription religieuse. Ça peut déjà être un premier axe pour lutter contre ça. Et deuxièmement, voilà, je pense que il faut de la clarté de la part des autorités. Mais effectivement, moi je suis un partisan du fait qu'à l'école il faille être neutre et voilà, et pas de voile, mais malheureusement je pense que cette jeune femme qui a giflé, c'est ça, sa professeure, voilà, c'est une affaire parmi tant d'autres. On voit également les problèmes d'islam avec les voiles, on l'a vu dans les clubs sportifs, c'était l'année dernière je crois, dans le monde de l'entreprise aussi je crois, où 73% des problématiques religieuses, ça a un rapport à chaque fois avec, enfin 73% en tout cas avec l'islam, qui est censé être minoritaire, il me semblait, en France, à peine 10% de la population. Donc, à un moment donné, voilà, on assiste clairement à une opposition entre des principes juridiques pas toujours simples. Ouais, c'est vrai, Jules, que tu rappelais il y a un instant par rapport à Geox, on se souvient, c'était il y a moins d'un an, un entrepreneur qui gérait une boutique Geox, à Strasbourg, qui s'était fait complètement afficher. Je sais pas si vous avez vous souvenir. Son visage avait été affiché, il avait été traité d'islamophobe et de tous les noms, alors qu'il avait simplement demandé il lui avait pas dit de retirer son voile. Il lui a dit, écoutez, moi je ne préfère pas, je vous laisse partir et je préfère embaucher quelqu'un d'autre qui serait. Donc là, elle était dans une agence d'intérim. Bah, tu t'avais été doxé, les informations. Était sortie, donc terrible. Effectivement, il me semble que le lendemain il y avait de la protection devant le magasin, donc c'était absolument terrible. Et justement, je rejoins et je poursuis, est-ce qu'on se focalise pas trop sur le voile? C'est-à-dire que derrière, les islamistes, ils ont beaucoup d'autres thématiques, il y a plein d'autres sujets sur lesquels par exemple l'héritage, les questions d'héritage. Moi c'est ce que je fais moi-même, je sais que pour lutter contre l'islamisation par exemple en France, ça ne passera pas que par le politique, ça passe par des initiatives d'écrivains comme moi, youtubeurs, voilà, je fais la critique de l'islam, j'en critique à la fois la violence. Effectivement, c'est une religion violente, misogyne, esclavagiste. C'est un des moyens de lutter culturellement et intellectuellement contre cette religion. Et effectivement, je pense que il y a rien. Voilà, ça va passer en fait. Je pense la lutte contre l'islamisation politique, l'islamisation des esprits dans la société passe par une lutte vraiment intellectuelle, montrer ce qu'est vraiment l'islam au-delà de ce symptôme du voile qui est un sujet parmi tant d'autres. Ou encore une fois, les islamistes ou les pro-islam à la télé, ils adorent ce sujet, ils adorent passer pour les défenseurs de la liberté des femmes à porter ce qu'elles veulent ou non, et nous en face on passerait pour des espèces de talibans occidentaux qui sont là à vouloir expliquer aux femmes ce qu'elles doivent porter ou ne pas porter. Il faut aussi être un peu stratège, quoi. C'est fou. Je vois que vous avez un livre avec vous. Je vais vous laisser je vous laisse le présenter. Donc c'est écrit sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. Je vous laisse montrer juste là la caméra. Oui, c'est mon dernier livre effectivement. Bah oui, je suis écrivain et comme je vous le disais, mon livre précédent en fait traitait notamment de la violence dans l'islam. Mais je sais que je fais souvent une critique intellectuelle. Voilà, je montre, comme l'indique le titre de mon livre, les contradictions et les erreurs scientifiques dans le Coran, parce que je sais en fait que la critique de la violence dans l'islam, comment dire, les islamistes, les pro-islam peuvent facilement, avec des effets de rhétorique, esquiver cette critique, parce qu'ils vont dire la violence dans le Coran, dans l'islam, ne serait qu'une violence en réaction à une première violence, donc une violence de légitime défense, ce qui est faux. Ils vont relativiser, faire du sophisme de la double faute en disant « vous les occidentaux aussi, vous êtes violents ». Et donc je sais que pour démoraliser vraiment le camp de ces islamistes et les atteindre et empêcher qu'ils aient une espèce d'aura auprès de la jeunesse tiktokisée, c'est bien aussi de démontrer que le Coran, qui est censé par chance être l'œuvre de Dieu, de la première à la dernière phrase, c'est ça le paradigme théologique islamique,
Donc un Dieu qui ne devrait ni mentir ni se tromper, bah, j'ai trouvé dans le Coran au moins 5 ou 6 erreurs de calcul mathématique, des erreurs scientifiques. Par exemple, quand Allah dit dans le Coran qu'il a créé la lumière du jour et l'obscurité de la nuit avant de créer les montagnes, et ailleurs dans d'autres textes dans le Coran, il dit qu'il a créé les montagnes terrestres, donc ce que contient la Terre, avant de mettre dans le ciel les étoiles, le soleil et la lune. Mais là, c'est pas possible. Il peut pas. Donc, ça veut dire chronologiquement, il a créé le jour et la nuit avant d'avoir mis la lune et le soleil et les étoiles. L'activité stellaire des étoiles est nécessaire pour créer tout ce qu'il y a sur Terre. Donc voilà. Donc des erreurs mathématiques, des erreurs narratives, des erreurs de contradictions, juridiques, etc. Et effectivement, ça fait partie de cet arsenal que moi j'essaie d'utiliser. J'invite vos lecteurs, vos auditeurs, soit à lire mon livre qu'ils trouveront sur Amazon, ou même à aller sur ma chaîne YouTube où je fais une critique intellectuelle, voilà, des textes islamiques. Parfois je produis quelques sketchs, parce que tout à l'heure je vous entendais d'ailleurs parler de l'influence de la droite et de la gauche au niveau de la culture. C'est très important, en fait, de c'est vrai que en général la gauche en France a beaucoup mieux compris à quel point c'est important d'imprégner la culture, de faire passer cette critique de l'islam non pas pour un sujet rébarbatif, mais aussi parfois pour un sujet intellectuel qui peut rentrer dans les discussions du grand public, un sujet même de divertissement un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui frisent le comique. Moi, je le dis souvent, l'islam, c'est pas intéressant, mais on est obligé de s'y intéresser. Voilà, moi, dans mon travail, vous l'avez dit, je fais partie d'un des premiers ex-musulmans dans le monde qui a osé, en tout cas qui font la critique des textes islamiques, qui a osé montrer son visage et faire cette critique, parce que j'estime que c'est nécessaire. C'est même un devoir, moi, que je me fais pour mon pays, la France, même si c'est difficile, même si effectivement... oui, voilà, on est une petite minorité à faire ça, à porter ce combat intellectuel, mais les musulmans, effectivement, je les vois comme des gens qui méritent d'entendre une critique de leur religion. La plupart ignorent toutes les horreurs qu'il y a dans leur religion, et voilà, je trouve que c'est un travail complémentaire à ce que fait la politique. Dernière question, vous recevez tout de même des messages de soutien, de musulmans qui vous soutiennent dans votre travail? Je reçois régulièrement des messages de musulmans qui s'excusent parce qu'ils me détestaient, ils m'insultaient, ils estimaient qu'ils n'appréciaient pas mon travail. Pas tous, il y a aussi des auditeurs musulmans qui m'écoutent, etc. Mais qui derrière me disent, finalement, tu m'as ouvert les yeux, voilà, à la fois sur la violence, donc des critiques d'ordre moral sur leur religion, mais aussi, et ça c'est un des points faibles, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran, ce sont des critiques qui ne sont pas subjectives. En fait, c'est très concret. Une erreur mathématique, c'est une erreur mathématique. Quand Allah fait un calcul mathématique dans le Coran en disant qu'il faut distribuer 112,5% d'héritage, non, on ne peut pas distribuer plus de 100% d'héritage. Donc à un moment donné, ils sont obligés d'admettre qu'un Dieu super puissant ne devrait pas se tromper, ne devrait pas faire des erreurs mathématiques. Et donc effectivement... Eh bien, en tout cas, Majid Oukacha, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci pour votre invitation et merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Et on espère vous recevoir à nouveau dans une autre Avec matinale plaisir. De Frontières. Je vous rappelle que notre magazine Trump, l'homme à abattre, est sorti il y a un peu plus d'une semaine, imprimé à plus de 30 000 exemplaires. Je vous invite fortement à le retrouver sur notre site internet, mais également en kiosque. Donc, vous retrouverez Cartel et Frontières mexicaines, une enquête sur le fléau migratoire, Butler, le retour sur les lieux de l'attentat dont Trump a été victime. Une folle idée a traversé l'Europe. Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé. La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limites. Abolir la protection des États, faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatant au grand jour, au seuil de nos maisons. Un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau, du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants,
avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître. Avec une ambition, devenir le vaisseau amiral qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières.